Ligue 2. Ligue 2. Et lui va nous rejoindre et on va s'entraîner tous ensemble. On passe en deux. Moi aussi j'étais dans un club de quartier, Vitaneuse. Donc c'est ça, tout est possible en football. Et il y a de bons clubs, de bons jeunes en France. Donc, voilà. Jouer, allez. Voilà. Bien joué les deux noirs. Enfin, moi j'ai toujours emmené ces ambiances là parce que je viens de là et je le revendique très, très fort. Moi j'ai commencé sur du goudron et de la terre. Donc ils doivent bien profiter. Avant d'être pro, on est tous amateurs, parce que quand on est jeune, on est tous amateurs, donc c'est très, très important de faire voir que voilà, on est des gens comme tout le monde et qu'on est accessible. Ouais, c'est très important, on est le club phare de la région, donc. Donc voilà, que les jeunes s'identifient aussi au GF38, c'est important. Voilà. Super, merci. Oh, il avait les cheveux. Ils connaissent plus Mbappé, mais c'est bien de connaître aussi leur coup. C'est toujours bien pour le club déjà en lui-même et puis aussi pour ses petits. Bah, de voir que voilà, il y a des professionnels qui viennent les voir, leur donner quelques conseils, comme tout à l'heure ils leur ont donné quelques conseils. Et c'est toujours valorisant pour eux. Je pense que eux par leur expérience, s'ils leur parlent un peu, et puis c'est ce que je leur ai dit aussi aux enfants, qu'ils allaient leur apprendre, leur corriger certains gestes, parce qu'ils viennent de là, et donc c'est important. Ça serait bien qu'ils le fassent plusieurs fois par an. Non mais c'est vrai, les gamins ils adorent. Hein. Puis je pense que ça peut leur amener du public. Hein. Parce que quand ils ont vu deux joueurs pro, ils vont les voir le samedi jouer. C'est les joueurs de demain, les enfants. C'est important. C'est ce qui fait la richesse du football. S'il n'y a pas les petits clubs et beaucoup de bénévoles, il n'y aurait pas de football. Super.